pilastri della Chiesa. Vieni e salva l'uomo che hai formato dalla terra. O Emanuele, Dio con noi, attesa dei popoli e loro liberatore. Vieni. Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus Christ. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, joyeux Noël et bienvenue à cette retransmission. Vous êtes en direct de la Basilique Saint-Pierre. Radio Vatican et Vatican News vous retransmettent la célébration de la veillée de la nuit de la Sainte Noël, de la Sainte Nuit de Noël présidée par le Saint-Père. Nous vous saluons, vous tous qui nous suivez, en particulier ceux qui nous suivent à travers les radios et télévisions partenaires, Radio Ecclesia, Radio Salve Regina en Corse en France, Radio Fidélité Mayenne, Radio Présence, Radio Chrétienne Associée en France, IWTN TV, Sel et Lumière TV, Radio Espérance, Radio Notre-Dame, Radio et Télévision Catholique Elikia à Kinshasa, Radio Marie en République démocratique du Congo, Ecclesia TV des Côtes d'Ivoire. Nous saluons aussi ceux qui nous suivent à travers Facebook, YouTube et via d'autres canaux. Pour vous accompagner ce soir, Stanislas Kambashi. Le pape François qui a un week-end chargé avec les célébrations de la Nativité. Aujourd'hui, 24 décembre, le Saint-Père préside cette messe de la nuit de Noël dans la basilique Saint-Pierre. Demain, lundi 25 décembre, à la solennité du Saint-Noël, le pape donnera la bénédiction Urbi et Orbi depuis la loggia centrale de la basilique Saint-Pierre à 12h. Et le dimanche 31 décembre à 17h, toujours dans la basilique Saint-Pierre, le pape présidera la célébration des premières vêpres et les Te Deum d'action des grâces pour l'année écoulée. Le pape François qui fait son entrée dans la basilique, toujours en chaise roulante, comme nous le savons, le pape François a quelques problèmes avec les pieds. Et aujourd'hui, on le voit en chaise roulante. Il va aller jusque là où il va présider l'Eucharistie, à partir du siège où il va présider l'Eucharistie. Et les fidèles sont nombreux dans la basilique Saint-Pierre, ainsi que les concélébrants, comme nous pouvons nous en apercevoir sur les images, en attente de débuter cette célébration. Le pape François, qui pour le moment est en train de saluer quelques fidèles, dont les prélats orientaux de l'église orientale qui sont présents dans la basilique Saint-Pierre. Concernant les célébrations de cette période de Noël et de fin d'année, le lundi 1er janvier, solennité de Marie, Mère des Dieux, et 57e journée mondiale de la paix, le pape François présidera la messe dans la basilique Saint-Pierre à 10h. Et le 6 janvier prochain, le Saint-Père y célébrera également la messe de la solennité de l'Épiphanie à 10h. Et enfin, le 7 janvier, il présidera à 9h30 une célébration dans la chapelle Sixtine pour la fête du baptême du Seigneur, au cours de laquelle il baptisera quelques enfants. Nous sommes toujours en train d'attendre les débuts de la célébration de cette messe de la nuit de Noël, ici dans la basilique Saint-Pierre. Nous sommes le 24 décembre 2023, messe de la nuit de Noël, un dimanche qui a été particulier aujourd'hui, car le matin nous avons célébré le 4e dimanche de l'Avent et nous avons eu l'Angélus du pape François à 12h. Et voilà, déjà le même jour et la nuit, nous célébrons la nuit de Noël. Le pape François qui va présider cette Eucharistie à partir des 19h30, un horaire anticipé, mais inauguré depuis 2020 en raison des restrictions pour les Covid.
et confirmé également en 2021 et 2022. Donc, c'est depuis 2020 que le pape a commencé à célébrer cette messe de la nuit de Noël. À 19h30, nous apercevons aussi les ambassadeurs accrédités près les cinq sièges présents dans la basilique Saint-Pierre pour pouvoir participer à cette célébration eucharistique. Et nous apercevons aussi Monseigneur Paul-Richard Gallagher, qui est secrétaire pour les relations avec les États et avec les organisations internationales, assis juste devant les diplomates accrédités près les cinq sièges. Entre-temps, les images nous font voir ces beaux arbres de Noël coiffés d'une étoile placés sur la place Saint-Pierre à côté de la crèche. C'est les décors plantés de Noël que les fidèles pèlerins ainsi que les touristes ont la joie de visiter tous ces jours-ci, la grande crèche de la place Saint-Pierre ainsi que l'arbre, les sapins de Noël. Et voilà les chants qui est entonné par les chœurs pour pouvoir accompagner ce moment de recueillement qui précède la célébration de la messe de la nuit de Noël. La procession d'entrée est déjà en train d'avancer vers l'autel où sera célébrée cette messe de la nuit de Noël. Les fidèles sont présents, debout, pour accueillir la procession qui s'avance, la croix en premier lieu, et les servants de messe qui encadrent la croix, certains avec des bougies. Et derrière eux, il y a les concélébrants. Nous écoutons là les beaux chants de Noël qui accompagnent la procession d'entrée. La basilique Saint-Pierre est archicomble. Beaucoup de fidèles ont exprimé le désir de participer à cette célébration et ils y sont effectivement présents, comme les images nous les montrent déjà. Il y a parmi les fidèles aussi quelques personnes vivant avec handicap qui sont là en chaise roulante et qui participent, qui prennent part à cette célébration. Une célébration qui est pour nous tous. Il y a parmi les personnes qui sont présentes dans la basilique et surtout celles qui sont dans la procession, des enfants qui apporteront les dons, des enfants qui apportent plutôt des fleurs pour l'hommage qui sera rendu à l'enfant Jésus qui est né. Ces enfants proviennent de la Corée, de Côte d'Ivoire, de l'Italie, de l'Inde et du Mexique. Concélébrants sont en train de prendre place.
déjà vêtu de ses ornements, le pape François est bien assis. En attendant les débuts de la célébration, nous saluons tous ceux qui viennent de nous joindre. Nous sommes en direct de la basilique Saint-Pierre où le pape François va présider bientôt la messe de la nuit de Noël en ce 24 décembre, ici dans la basilique Saint-Pierre. La procession d'entrée est à peine finie, les concélébrants sont installés et le pape François également. Et nous continuons à suivre les chants qui accompagnent donc ce moment d'entrée, ce premier moment de cette célébration, les chants qui nous est exécuté par la chorale. Et nous allons suivre maintenant la lecture qui accompagne la célébration, les débuts de cette célébration. Luna tertia decima. In numeris transactis seculis a creatione mundi, quando in principio Deus creavit celum et terram, et hominem formavit ad imaginem suam. Per multis etiam seculis, ex quo post diluvium altissimus in nubibus arcum posuerat, signum federis et pacis. A migratione Abrae, patris nostri in fide, des longs siècles après la création du monde, lorsque Dieu au commencement créa le ciel et la terre et forma l'homme à son image, bien longtemps après les déluges, où le Très-Haut posa un arc dans les nuées, en signe d'alliance et de paix, plus de 2000 ans après qu'Abraham, notre père dans la foi, eut quitté la ville d'Ur en Chaldée, près des 13 siècles après Moïse et la sortie d'Égypte du peuple d'Israël, environ 1000 ans après le sacre du roi David, dans la 65e année de la prophétie de Daniel, à la 194e Olympiade, et la 752e année de la fondation de Rome, Octaviani Augusti, l'an 42 du règne de l'empereur Octave Auguste, tout l'univers étant en paix, Jésus-Christ, Dieu éternel, et fils du Père éternel, voulant sanctifier le monde par son miséricordieux avènement, après avoir été conçu du Saint-Esprit,
est né à Bethléem des Judées de la Vierge Marie. Dieu fait homme. Domini nostri Jesu Christi, secundum C'est la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ selon la chair. Et maintenant, on dévoile et on encense l'image de l'enfant Jésus, la statuette de l'enfant Jésus, et les petits enfants qui ont apporté les fleurs déposent juste à côté en signe d'hommage au Dieu fait homme qui est né. Ces enfants, rappelons-les, sont d'origine coréenne, ivoirienne, italienne, indienne et mexicaine. Ils ont apporté des fleurs pour honorer, pour rendre hommage à l'enfant Jésus qui vient de naître. Pendant que le pape est en train de mettre l'encens dans l'encensoir, et la procession s'avance pour pouvoir encenser l'enfant Jésus. Voilà qui est fait par le diacre qui est à présent en train d'encenser l'enfant Jésus pendant que la chorale exécute un chant. Hommage au roi du ciel, roi de la terre. Dieu fait homme qui est né pour nous et dont nous célébrons la naissance aujourd'hui. Après la longue période de l'Avent qui a précédé, Jésus est né, selon la chair, comme nous venons de l'entendre, comme nous venons de le chanter. Pendant que la chorale est en train d'exécuter ses chants, le cardinal Re est en train d'encenser l'autel. Le cardinal Giovanni Battista Re est le doyen du collège cardinalis et c'est lui qui va donc célébrer, comme nous le savons tous ces jours-ci, le pape François étant dans l'impossibilité de marcher, de faire des mouvements. Il préside, tandis que l'un des concélébrants célèbre, donc c'est aujourd'hui le cardinal Giovanni Battista Re, doyen du collège cardinalis, qui est en train d'encenser aussi la statue de la Vierge Marie portant l'enfant Jésus. Le cardinal Re va aussi encenser le crucifix. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui, je t'ai engendré. C'est justement ce que la chorale est en train de chanter. Et puis les versets tirés du psaume 2, le premier verset, pourquoi ces tumultes des nations, ces vains murmures parmi les peuples? L'encensement et le cœur continue à chanter comme nous pouvons l'entendre.
Et maintenant, le pape François va introduire la célébration eucharistique. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous et avec votre esprit. En cette nuit très sainte, nous célébrons l'entrée de la lumière du Verbe dans l'histoire de l'humanité. Réjouissons-nous de la venue du Messie, éprouvé par les ténèbres du péché et les horreurs de la guerre. Demandons au Père les dons de l'Esprit, auteur des consolations et des joies, afin qu'il renouvelle la face de la terre. Reconnaissons-nous tous pécheurs, invoquons la miséricorde du Seigneur et pardonnons-nous les uns les autres du fond du cœur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant et à vous, mes frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et maintenant, le Kyrie exécuté par la chorale. Les chants du Gloria maintenant. Comme nous avons entendu les Kyrie de Angelis, ça sera aussi les Gloria de Angelis qui sera exécuté, qui est exécuté maintenant par la chorale. Thank you.
Voilà ce magnifique chant de Gloria chanté en latin que nous venons de suivre. Priamo. Et maintenant, la prière de la collecte. Oh Dio, che hai illuminato questa santissima notte con lo splendore di Cristo. Seigneur, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. Des grâces accorde-nous qu'illuminés dès ici-bas par la révélation de ce mystère, nous goûtions dans le ciel la plénitude de sa joie. Lui qui est Dieu et vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles et des siècles. Amen. Et nous allons maintenant entamer la liturgie de la parole que nous commençons avec la première lecture lue en espagnol. Lecture du premier du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu s'élever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on exulte au pâturage du butin, car les joues qui pesaient sur eux, sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, les bâtons du tyran, tu les as brisés comme au jour des Madian, et les bottes qui frappaient les sols, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés, le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé, conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour les trônes de David et pour son règne, qu'il établira, qu'il affermira sur les droits et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La première lecture est donc tirée du livre du prophète Isaïe. Au 9e chapitre, du 1er au 6e verset, nous venons de l'entendre en espagnol. Et maintenant, les psaumes. Aujourd'hui, un Sauveur nous est né. Et justement, nous voyons Jésus, enfant, qui est né aujourd'hui, en cette nuit. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Aujourd'hui est né pour nous un Sauveur. C'est le psaume 95 que
nous sommes en train de chanter ensemble avec la chorale. De jour en jour, proclamer son salut, raconter à tout le peuple sa gloire. À toutes les nations, dites ses merveilles. C'est le troisième verset du psaume 95. Joie au ciel, exulte la terre. Les masses de la mer mugissent. La campagne tout entière est en fête. Les arbres des forêts dansent de joie. Et puis il répond, aujourd'hui, un sauveur nous est né. Ces réponses tirées de l'évangile selon saint Luc, 2e chapitre, 11e verset. Devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et le peuple selon la vérité. Aujourd'hui, un sauveur nous est né. Et maintenant, la deuxième lecture que nous allons écouter. A reading from the letter of Saint Paul to Titus. En anglais, lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes et nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans les temps présents de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ, car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. La deuxième lecture était donc tirée de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite, chapitre 2, versets 11 à 14. Nous l'avons suivie en anglais et maintenant nous nous préparons pour l'évangile. La procession s'avance vers le Saint-Père
les diacres au milieu pour pouvoir demander la bénédiction avant la proclamation de l'Évangile. Les diacres demandent la bénédiction, le Saint-Père la lui accorde afin qu'il aille proclamer l'Évangile. Pendant que nous écoutons cet Alléluia que le chœur est en train de chanter, avant la proclamation de l'Évangile, la procession qui s'avance vers l'Ambon, pour pouvoir proclamer l'Évangile de cette nuit de Noël qui se célèbre ici dans la basilique Saint-Pierre, une Eucharistie présidée par le Saint-Père. Le diacre a pris et soulevé les livres des évangiles et précédé des cierges, il s'avance vers l'ambon où il va proclamer l'évangile de cette célébration eucharistique. Nuit de Noël où nous célébrons la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ selon la chair. Le diacre s'apprête donc à proclamer l'Évangile. Dominus vobiscum. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Et les diacres encensent avant la proclamation de l'Évangile. In quei giorni, un decreto di Cesare Augusto ordinò. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur des Syries. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il devait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Elle mit au monde son fils premier-né, elle l'amaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs,
pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tous les peuples. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile qui vient d'être proclamé en italien est tiré de l'évangile selon saint Luc au deuxième chapitre du 1er au 14e verset. Et maintenant, les diacres apportent l'évangéliaire juste au trône où est déposé l'enfant Jésus qui vient de naître. Les trônes de la parole, Jésus étant les verbes fait chair. Nous allons maintenant écouter l'homélie du Saint-Père de cette messe de la nuit de Noël. Le recensement sur toute la terre. Tel est le contexte dans lequel Jésus est né et sur lequel l'Évangile s'attarde. Il aurait pu l'évoquer rapidement. Mais il en parle avec précision. Ce faisant, il met en évidence un fort contraste. Tandis que l'empereur compte les habitants du monde, Dieu y entre presque en secret. Tandis que ceux qui commandent cherchent à se lever parmi les grands de l'histoire, le roi de l'histoire choisit la voie de la petitesse. Aucun des puissants ne le remarque. Seuls quelques bergers relégués aux marges de la vie sociale. Mais le recensement en dit plus. Dans la Bible, il n'a pas laissé un bon souvenir. Le roi David, succombant à la tentation des grands nombres et à une prétention malsaine à l'autosuffisance, avait commis un grave péché précisément en recensant le peuple. Il voulait en savoir la force et en 9 mois environ, il obtint le nombre de ceux qui savaient manier l'épée. Le Seigneur s'indigna et un malheur s'abattit sur le peuple. En cette nuit, cependant, Jésus, le fils de David, après 9 mois dans les seins de Marie, naît à Bethléem, la ville de David. Il ne sanctionne pas les recensements, mais se laisse humblement dénombrer. L'un parmi beaucoup d'autres. Nous ne voyons pas un Dieu en colère qui châtie, mais le Dieu miséricordieux qui s'incarne, qui entre faible dans le monde avec la proclamation « Paix sur la terre aux hommes ».
Et notre cœur ce soir est à Bethléem, où les princes de la paix est encore rejeté par la logique perdante de la guerre, avec les fracas des armes qui, aujourd'hui encore, l'empêchent de trouver une place dans le monde. Le recensement de la terre entière, en somme, manifeste d'une part la trame trop humaine qui traverse l'histoire, celle d'un monde en quête de pouvoir et de puissance, de célébrité et de gloire, où tout se mesure à l'aune des réalisations et des résultats, des chiffres et des nombres. C'est l'obsession de la performance. Mais en même temps, dans les recensements, le chemin de Jésus qui vient nous chercher par l'incarnation se singularise. Il n'est pas le Dieu de la performance, mais le Dieu de l'incarnation. Il ne renverse pas les injustices d'en haut par la force, mais d'en bas par l'amour. Il ne se déploie pas avec un pouvoir illimité, mais s'immerge dans nos limites. Il n'évite pas nos fragilités, mais les assume. Frères et sœurs, nous pouvons nous demander cette nuit en quel Dieu nous croyons, au Dieu de l'incarnation, ou au Dieu de la performance. Oui, parce qu'il y a un risque de vivre Noël avec en tête une idée païenne des dieux, comme s'il était un maître puissant dans les ciels, un Dieu lié au pouvoir, au succès mondain et à l'idolâtrie du consumérisme. Toujours revient la fausse image d'un Dieu détaché et susceptible qui se comporte bien avec les bons et se fâche avec les mauvais. Un Dieu fait à notre image, utile seulement pour résoudre nos problèmes et supprimer nos maux. Au contraire, il n'utilise pas des baguettes magiques. Il n'est pas le Dieu commercial du tout et du tout de suite. Il ne nous sauve pas en appuyant sur un bouton, mais s'est fait proche pour changer la réalité de l'intérieur. Et pourtant, combien est ancrée en nous l'idée mondaine d'un Dieu distant et contrôleur, rigide et puissant, qui aide les siens à l'emporter sur les autres. Beaucoup de fois, cette image est ancrée en nous, mais il n'en est pas ainsi. Il est né pour tous lors du recensement de toute la terre. Tournons-nous donc vers les dieux vivants et vrais, vers lui qui est au-delà de tout calcul humain et qui pourtant se laisse recenser par nos comptages, vers lui qui révolutionne l'histoire en l'habitant, vers lui qui nous respecte jusqu'à nous permettre de les rejeter, vers lui qui annule les péchés en le prenant sur lui, qui n'enlève pas la souffrance, mais la transforme, qui n'enlève pas les problèmes de nos vies, mais qui donne à nos vies une espérance plus grande que les problèmes. Il désire tellement embrasser nos expériences que infini, il devient pour nous fini, grand, il devient petit, juste, il habite nos injustices. Frères et sœurs, telle est la merveille de Noël. Non pas un mélange d'affection sentimentale et des conforts mondains, mais la tendresse sans précédent de Dieu qui sauve le monde en s'incarnant. Regardons l'enfant, regardons sa mangeoire, regardons la crèche que les anges appellent le signe. Elle est en effet le signe révélateur du visage de Dieu qui est compassion et miséricorde, tout puissant, toujours et seulement dans l'amour. Il s'est fait proche. Il s'est fait proche. Tendre et compatissant. C'est cela le mode d'être de Dieu. Proximité, compassion, tendresse.
Sorelle, fratelli, sœurs et frères, émerveillons-nous car il s'est fait chair. Chair, un mot qui rappelle notre fragilité et que l'Évangile utilise pour nous dire que Dieu est entré au plus profond de notre condition humaine. Pourquoi est-il allé si loin? Parce qu'à nous, tout est important pour lui, parce qu'il nous aime au point de nous considérer comme plus précieux que tout le reste. Frères et sœurs, pour Dieu qui a changé l'histoire lors du recensement, tu n'es pas un nombre, mais tu es un visage. Ton nom est inscrit dans son cœur, mais toi, en regardant ton cœur, à tes performances qui ne sont pas à la hauteur, en regardant le monde qui juge et ne pardonne pas, peut-être vis-tu mal ce Noël en pensant que tu ne fais pas bien, en nourrissant un sentiment d'inadéquation et d'insatisfaction à cause de tes fragilités, de tes fautes, de tes problèmes, pour tes péchés. Mais aujourd'hui, s'il te plaît, laisse l'initiative à Jésus qui te dit, c'est pour toi que je me suis fait chair, c'est pour toi que je me suis fait semblable à toi. Pourquoi restes-tu dans la prison de tes tristesses, comme les bergers qui ont laissé leur troupeau? Laisse l'enclos de tes mélancolies et embrasse la tendresse de l'enfant Dieu. Fais-le sans masque ni armure et jette en lui tes angoisses et il prendra soin de toi. Lui qui s'est fait chair n'attend pas tes performances, mais ton cœur ouvert et confiant. Et en lui, tu redécouvriras qui tu es, un fils bien-aimé de Dieu, une fille bien-aimée de Dieu. Maintenant, tu peux y croire, car ce soir, le Seigneur est venu dans la lumière pour illuminer ta vie et ses yeux brillent d'amour pour toi. Et nous, nous avons du mal à croire en cela que les yeux de Dieu brillent d'amour pour nous. Mais oui, le Christ ne regarde pas les nombres, mais les visages. Mais qui le regarde au milieu des innombrables choses et de la course folle d'un monde toujours affairé et indifférent, qui est-ce qui le regarde à Bethléem, alors que beaucoup de gens pris dans l'ivresse du recensement allaient et venaient, remplissaient les gîtes et les auberges en parlant des choses et d'autres, certains étaient proches de Jésus. C'est Marie et Joseph, les bergers, puis les mages. Apprenons d'eux. Ils ont les yeux fixés sur Jésus, les cœurs tournés vers lui. Ils ne parlent pas, mais ils adorent. Et en cette nuit, frères et sœurs, c'est le moment de l'adoration, adorer. L'adoration est le moyen d'accueillir l'incarnation. Car c'est dans le silence que Jésus, le Verbe du Père, s'est fait chair dans nos vies. Faisons-nous aussi, nous aussi comme à Bethléem, qui signifie maison du pain. Tenons-nous devant lui, pain de vie. Redécouvrons l'adoration. Car adorer, ce n'est pas perdre du temps, mais permettre à Dieu d'habiter notre temps. C'est faire fleurir en nous la semence de l'incarnation. C'est collaborer à l'œuvre de l'incarnation du Seigneur qui change le monde comme un levain. Adorer, c'est intercéder, réparer, permettre à Dieu de redresser l'histoire. Un grand conteur d'épopées écrivait à son fils, « Je t'offre la seule grande chose à aimer sur terre, les saints sacrements. »
Tu trouveras le charme, la gloire, l'honneur, la fidélité et les vrais chemins de tous tes amours sur terre. Frères et sœurs, cette nuit, l'amour change l'histoire. Fais-nous croire, Seigneur, au pouvoir de ton amour, si différent du pouvoir du monde. Seigneur, fais que comme Marie et Joseph, les bergers et les mages, les bergers, nous rassemblons autour de toi pour t'adorer. Rendus par toi plus semblables à toi, nous pourrons témoigner au monde la beauté de ton visage. L'homélie du pape François en cette nuit de Noël, le pape François qui est parti du recensement des Quirinus à cette époque. Mais pour les Christ, nous ne sommes pas que des nombres, nous ne sommes pas que des numéros, mais nous sommes des visages. Frères et sœurs, pour Dieu qui a changé l'histoire lors du recensement, tu n'es pas un numéro, mais tu es un visage. Ton nom est inscrit dans son cœur, a dit le pape, et le pape qui a invité à l'adoration. Justement, cette pause de silence nous invite à adorer le Fils de Dieu qui est né pour nous. C'est dans un esprit de recueillement que les fidèles dans la basilique Saint-Pierre observent ce moment de pause pour méditer davantage l'homélie qu'ils ont entendue du Saint-Père, mais aussi pour adorer, contempler ce mystère de l'incarnation du Fils de Dieu qui vient changer l'histoire et qui brille d'amour pour nous. Ses yeux brillent d'amour pour nous, a dit le Saint-Père. Et pendant ces temps, nous voyons sur les images Marie en train d'allaiter l'enfant Jésus. D'un côté, Jésus qui vient de naître, de l'autre côté, Marie qui est en train de l'allaiter. Différentes images de Noël. Et maintenant, le credo chanté en latin. Padre nato, ante omnes.
nous avons vu l'assemblée faire une génuflexion au moment où ont été prononcées les paroles du credo, faisant référence à l'incarnation de Jésus, Fils de Dieu. C'était les credos chantés en latin. Et maintenant, le Saint-Père va introduire les moments de la prière universelle. Frères et sœurs, en cette nuit très sainte, où nous contemplons avec émerveillement les mystères de l'incarnation, supplions les Pères de notre Seigneur Jésus-Christ de donner au monde sa lumière. Nous te supplions, Seigneur, nous te prions, Seigneur, écoute-nous. Prions pour le pape et pour tous les pasteurs de l'Église. En chinois, Père du Sauveur qui nous a donné ton Verbe éternel, soutiens le pape François et tous les pasteurs de l'Église. Suggère-leur des paroles et des gestes prophétiques. Réconforte-les avec ta parole du salut. Nous te supplions, Seigneur, nous te prions, exauce-nous. Prions pour ceux qui gouvernent et pour les migrants qui cherchent un accueil. Père du Rédempteur, toi qui as confié ton Fils à une famille humaine, éclaire les intentions des dirigeants, ouvre les portes du cœur humain, ouvre les frontières des terres et des mers à ceux qui cherchent un accueil. Voilà, la deuxième intention a été faite en français, tandis que la première était en chinois. Prions pour les dons de la concorde et de la paix. Père du Verbe, qui a envoyé dans le monde les donateurs de la vraie paix, fais cesser les bruits des armes qui détruisent. Suscite dans le cœur de l'homme un nouveau chant de joie. Donne à l'humanité la concorde et la justice.
l'intention a été faite en arabe. Prions pour les enfants et les personnes fragiles. Père du Messie, qui a fait de nous des fils en ton Fils, défends les enfants contre toute forme de violence, libère les femmes exploitées et opprimées, réconforte les personnes âgées et les malades. Prière universelle faite en portugais. Prions pour ceux qui ne croient pas en Dieu. Père de la lumière, qui par l'incarnation a illuminé les ténèbres de l'humanité, éclaire par ton esprit ceux qui ne croient pas en toi, console ceux qui ont perdu toute espérance, fortifie tout homme par les dons de la foi dans les sauveurs. C'est un Vietnamien que nous avons suivi cette cinquième intention des prières. Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux, écoute les prières que nous t'adressons avec confiance et reconnaissant ton immense bonté dans la naissance du Christ, ton Fils. Accorde-nous de devenir des témoins lumineux de la miséricorde par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le temps des recueillements se poursuit après la communion. Ce silence s'explique donc par la méditation et les recueillements. Et l'assemblée se met debout pour la prière après la communion. Prions. Signore Dio nostro, che ci doni la grazia di celebrare nella gioia. Joyeux de célébrer dans ces mystères la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur Dieu, donne-nous de parvenir après une vie toujours plus fidèle jusqu'à la communion glorieuse avec ton Fils bien-aimé. Lui qui règne pour les siècles et des siècles. Amen. Et le Saint-Père s'apprête à donner la bénédiction solennelle pour cette solennité de Noël, sainte nuit de Noël. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Les diacres invitent à s'incliner pour recevoir la bénédiction. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par les mystères de la nativité du Christ, il a fait resplendir cette nuit très sainte, qu'il sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à la lumière. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour le peuple, qu'il mette en vos cœurs
cette même joie et vous prenne comme messager de sa bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance et qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Amen. Et le Saint-Père va donner la bénédiction finale. Descenda su voi e con voi rimanga sempre. Amen. Après la bénédiction finale, le diacre renvoie la foule. It missa est, Deo gratias, répond l'assemblée. Et la chorale chante le chant de l'Alma Mater, Alma Redemptoris Mater. Chant marial, évidemment. La procession fait déjà les pas vers la sortie. Et donc cette messe de la nuit de Noël est finie. Donc la chorale chante ces chants célèbres italiens, tu scendi dalle stelle, tu descends des étoiles au roi du ciel. Cette célébration de la nuit de Noël qui a été présidée par le Saint-Père dans cette basilique Saint-Pierre. Thank you.
le Saint-Père aussi qui s'est déjà dépouillé de ses ornements, s'avance vers l'enfant Jésus où l'attendent ses enfants qui portent les fleurs en signe d'hommage au roi du ciel qui vient de naître. Ses enfants qui, rappelons-les, sont d'origine coréenne, ivoirienne, italienne, indienne et mexicaine. L'enfant Jésus, accompagné de ses enfants qui portent des fleurs, donc, sera maintenant porté en procession jusqu'à la crèche de la basilique Saint-Pierre, où le Saint-Père va accomplir un acte de vénération. Les autres concélébrants ont déjà précédé, et le Saint-Père portant l'enfant Jésus est escorté par les enfants qui portent des fleurs, donc en signe d'hommage à Jésus, roi du ciel qui vient de naître. Tous s'avancent vers la crèche de la basilique Saint-Pierre. Le Saint-Père s'avance toujours vers la crèche de la basilique Saint-Pierre, portant l'enfant Jésus vers cette crèche. Il va accomplir un acte de bénédiction. Et pendant ce temps, nous écoutons le chant Adeste Fideles, peuple fidèle, que la chorale nous chante en latin. Et le Saint-Père qui remet l'enfant Jésus au diacre qui va le déposer dans la crèche de la basilique Saint-Pierre que nous apercevons sur les images. Voilà, l'enfant Jésus y a été déposé par les diacres qui a aussi fait un acte de vénération. Et le Saint-Père y reste en signe de prière, le Saint-Père qui prie devant la crèche où nous pouvons contempler justement les mystères de l'incarnation du Dieu fait homme, accompagné de ses parents Marie et Joseph, et il y a aussi d'autres personnages comme les bergers. Et les fleurs en signe d'hommage sont aussi déposées, ces fleurs qu'apportaient ces enfants qui sont venus des quatre coins du monde. Le pape François qui est toujours devant la crèche de la basilique, il met l'encens dans l'encensoir pour encenser la crèche. C'est le diacre qui tient l'encensoir et qui s'avance donc pour pouvoir encenser la crèche. Saint-Père qui demande de distribuer aux enfants les chapelets
béni par lui-même et il les salue tous, chacun. Chacun de ses enfants est habillé suivant les traditions de son pays. Nous voyons des différences. Les couleurs et les habits traditionnels, les vêtements traditionnels de chacun des pays. Chacun d'eux reçoivent du Saint-Père les rosaires bénis par lui-même et il les salue. Voilà les cadeaux du Saint-Père à ses enfants qui ont accompagné l'enfant Jésus en lui rendant hommage avec des fleurs. La procession va finalement sortir par l'entrée, la sortie principale, pardon, de la basilique Saint-Pierre, la nef. Célébrants aussi font leur sortie et les Saint-Pères est en train de suivre derrière, toujours escorté par ses enfants ainsi que des cérémoniaires pontificaux. Saint-Père qui salue maintenant les participants à la messe. Ils étaient nombreux, les fidèles qui ont pris part à cette Eucharistie, aussi bien dans la basilique que hors de la basilique, sur la place Saint-Pierre. Le Saint-Père qui continue à saluer des participants. Et là, nous apercevons les ambassadeurs, les diplomates accrédités près des Saint-Sièges qui ont pris part à cette Eucharistie. C'est ainsi que prend fin cette célébration, cette belle célébration de la nuit de Noël présidée par les Saint-Pères dans la basilique Saint-Pierre. Rappelons que demain, lundi 25 décembre, en la solennité du Saint-Noël, le pape donnera la bénédiction Urbi et Orbi depuis la loggia centrale de la basilique Saint-Pierre à 12h. Vous pourrez retrouver un résumé de l'homélie du pape François ainsi que d'autres informations sur notre site internet www.vaticannews.va. Des salutations à vous tous qui nous avez suivis, en particulier ceux qui nous ont suivis à travers les radios et télévisions partenaires, Radio Ecclesia, Radio Salve Regina en Corse en France, Radio Fidélité Mayenne, Radio Espérance, Radio Présence, Radio Chrétienne Associée de France, IWTN TV, Celle Lumière TV, Radio Espérance, Radio Notre-Dame, Radio et Télévision Catholique Élique à Kinshasa, Radio Marie en République démocratique du Congo, Ecclesia TV des Côte d'Ivoire. Nous saluons aussi ceux qui nous ont suivis à travers Facebook, YouTube et via d'autres canaux. Vous étiez en compagnie de Stanislas Kambashi,
Joyeux Noël à vous tous. Laudetur Jesus Christus. Loué soit Jésus-Christ.